Madame, bonjour. À pied du véhicule. Sûrement. Merci. Vous avez une carte de séjour ? Je suis français, moi, monsieur. Ah ouais ? Et c'est quoi tout ce cirque ? Mais ça, c'est pour le match France-Algérie, monsieur. Algérie 3, France 0. Pardon, madame ? Vous savez que c'est outrage à l'agent, ça, hein ? Dites-moi, madame, affiche-t'ac, mais faut-moi. Excusez-la, c'est pas de sa faute, monsieur. Ah ouais ? On plaisante pas avec le foot. Jamais. Circuler. Merci, monsieur. Tiens, regarde, là, papa. Arrête-toi, arrête. Mais c'est pas possible. Où il trouve de l'argent pour acheter ces millionnaires? C'est l'argent du pain. Bon, allez, moi, je vous laisse, j'ai des trucs à faire. À tout à l'heure. Au revoir. Hein. Et ben ce soir, tu tremperas tes doigts dans la sauce pour remplacer le pain. Voilà. Et si je gagnais le gros lot, je t'achèterais une boulangerie. Hier, c'était une épicerie. Ou la semaine d'avant, un pavillon avec piscine. On serait plus riche que Bernard Tapie. C'est ça. Tu veux me faire la honte dans la rue. Elle a raison. Moi, tu m'as promis le paradis quand tu m'as amené ici. Si c'est comme ça, donne-nous ton terrain au bled. Tab, tab, ou l'armée de Choufo. Je t'ai mis au monde, c'est déjà beaucoup. Ça fait plaisir, Brahim. Tu fais honneur au pays. Eh, obligé, monsieur Sbantout, quand il s'agit du bled, moi je suis toujours là. Et vive à l'Algérie. 5 à 0. Bouge. Ou alors c'est bifton. Tiens. Tiens. On veut m'embrasser les pieds, les mecs. Hein. J'ai fait tout Barbès, moi, pour les trouver. Mais attends, c'est Tribune Sud, on va rien voir. Quoi? Nous, on est au premier rang, collé aux fesses de Barthez. Qu'est-ce que tu racontes, toi? On n'est pas derrière les buts, on est juste après le virage. Ça se voit que t'as jamais mis les pieds au Stade de France. Mais tu veux quoi pour 70 balles, toi? Tu veux une place à côté de Chirac ou quoi? Et pourquoi pas? Salam alaikum, merci de nous avoir choisi. C'est DJ Kim dans ta radio. La suite du son, c'est avec Poilem, Chaker, direction le son Pilka. Et n'oubliez pas vos messages sur le www.kimmania.com. C'est le chocolat ou la fille que tu veux acheter? Non, non, finalement, je vais prendre le déchet. Si tu veux un pain, tu vas à l'agence en face. Tiens,
sur la vie de ma mère, un jour je vais lui mettre le feu à son épicerie à lui là. Bouge pas. Oh là, détends-toi ma Karine. Putain, mais comment j'avais la cote avec une bombe? Est-ce qu'on là, il m'a mis la chouma. Pourquoi tu vas acheter chez lui? Pas manger plus ce matin. Elle est là. Mais je la connais. Elle habite pas à Belleville, elle. Oh là là, je sais pas d'où elle est, mais en tous les cas, je l'ai pas vu rentrer chez Lounès. Hein. Ça se trouve, c'est sa fille. Non, c'est pas possible, t'as vu la tronche qu'il a, lui. Démarre. Une petite chip, mademoiselle? Oh, merci. Cafard, bah, gratte pas la dalle comme toi, elle. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, bouffon? On me laisse faire les grandes, et tiens. Attends, t'es fou, toi, ça se tourne ma gueule. Si tu veux, j'appelle la police. Mais de quoi tu te mêles, toi? T'es pas marié avec tes clients? Ben, vas-y. Vas-y, appelle-la, la police. Ah oui. Viens, Gabi. Non, non, mais moi, j'ai du boulot, là. Non, mais viens. Nous aussi, on va dire au keuf qu'il embauche les sans-papiers. Nous vous mettons en liaison avec la police. Excusez-moi, madame, c'est une erreur. Non, sérieusement, mademoiselle, vous voulez pas qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble? Ah, s'il vous plaît, soyez sympa. Comment tu t'appelles? 5 minutes de tchatch et l'affaire est dans le sac. C'est pas possible, ça. Trop de liberté, trop... Mais c'est pour ça que les clients demandent de plus en plus de femmes propres. Oui, mais on en a plus beaucoup. Il va falloir renouveler le catalogue. Ce matin, l'équipe de France a rejoint Clairefontaine pour préparer le match amical contre l'Algérie samedi au Stade de France. L'Abziden, yate unna 10 à 0. Non, mais on ne peut pas nous faire ça contre l'Algérie. Il va déclarer forfait. Quand il y a des millions à gagner, il n'y a pas de sentiment. C'est pas une question de thune, papa. Avant de jouer dans l'équipe de France, il est parti voir les Algériens deux fois et ils l'ont jeté. Eh ben, rien que pour ça, il va jouer. Eh, Zama, c'était trop fort pour lui. Où t'as pris à dénigrer ton pays comme ça, toi? Yemma, sors-moi un peu plus de viande, c'est quoi ça? Je suis pas mariée avec un boucher. Tu n'as qu'à aller travailler au lieu de traîner toute la journée. Ouais, c'est ça, ouais, faire l'esclave pour gagner le SMIC. Voilà. Tu veux gagner des millions, hein? Et en attendant, tu n'as qu'un slip pour toute l'année. Prends la viande de ta grand-mère. Elle a cassé son dentier. Ibrahim, va mal et je te file le mien. D'accord, mais tu me fais crédit, hein. Mais t'es fou, toi. C'est cash ou tu vas mourir. Eh bien, je suis fait à 10. Eh, mais c'est quoi, là? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Ibrahim, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est lui, il veut me prendre mon morceau de viande. Chef, t'as allé à l'oulade de Rossorum, le globule rouge? Elle est déjà le vampire, Réada. Hab tortelon, tortenia la main, ma. Mais c'est lui qui me l'a proposé. De toute façon, moi, j'en ai marre de cette baraque. Tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire. Je crève. Même pour des millions, je lui fais pas. T'as un coup de mélain. Qui m'a pas comme. On va aller construire l'électricité. Il est là. Fini la viande, hein? Wallahi, à partir d'aujourd'hui, légumes pour tout le monde. Et celui qui tombe malade, je m'en fous. Il y a la carte vitale. Résultant d'une vérité dont je peux témoigner. Accaparé par ses problèmes, l'Algérien est terrifié. Dominé par une existence pas facile à gérer. Instant pression, possédé par une série de faits. Le temps passe, la joie se chasse. Trahison de confiance et manque de taf. De père RMiste et mère fataliste. De plus pragmatique, pas d'autre choix que de prendre lui-même tous les risques. Boy, vivant dans ses rêves, songeant à une vie différente. Il prend le temps de s'abonner à une vie lente et inquiétante. En manque de bonheur, pour cause et voix pour lui sa défaite. Il jure la vie de sa mère, traite ses jours, elle sera fière. Pas la peine de raconter des histoires. Pour faire des phases, dire le son pas convaincant de vie. Pas la peine de raconter aux gens que t'es bloué. Des phases, on perd son là. Elle est encore là, madame Poussin. Bouge. Alors, la meuf raconte. Elle est étudiante. La main après par un exposé sur Socrate. Comment te bais, je lui dis, je connaissais. Tu sais qui c'est, toi? Espèce d'homme, bah, mais c'est pas Socrate, c'est Socrates, la superstar de l'équipe du Brésil avec Zico. Oh, il a pas eu de chance, hein. Deux mondiales de défaite, en 82 contre l'Espagne et en 86 contre la France. Mat, il y a la mère Poussin qui monte. Hé, Mouloud, ma parole, tu me sauves. Tu peux me dire plus sur Socrates, s'il te plaît? C'est ça, moi je te fournis la tchage et toi tu fais le beau. Mais attends, mais c'est pas de ma faute, moi, si j'ai du succès avec les meufs. Bah, c'est ça, donc je l'enferme ta gueule, tu vas réveiller la mère Poussin. Gabi. Gabi. Ah, Gabi. Ah, vous perdez pas de temps, les mecs. Attends, juste deux sandwichs, on se tire, je te jure. Attends, quoi? La petite tarte au saumon, les épinards juste avant, s'il te plaît, Gabi. Bon, ce sera tout? Merci, Gabi. Oui, bon, ça va.
Putain, faut toujours t'exagérer, espèce de radin. Il va finir par nous jeter un jour. Merde, j'ai oublié de lui dire du ketchup et de la mayonnaise. Toi, t'en as rien à foutre, hein. Y a ta mère qui te donne à bouffer tous les soirs. Quoi? Bah moi j'aimerais bien te voir, tiens, bouffer de la loubia tous les jours. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux, quoi? Hein, c'est ça? Hein? T'avais cartonné au bled avec tes vieux, mon pote. Quoi? Répète. Un morpion comme toi, tu en es expulsé? Mais je te signale, je suis chez moi ici. Je t'emmerde. Oh, ça va pas la tête? Vous voulez que je me fasse virer ou quoi? Vous prenez vos sandwichs et vous vous cassez, fais ça. Allez. Merci, Gabi. Oh putain, regardez! Il a le vrai maillot de l'équipe d'Algérie! Waouh! Super ton maillot, Rachid! Fais voir le numéro que t'as choisi! Lâche-moi, y'en a pas! Fais voir, wesh! Attends, moi, tu te mouilles pas! Hein. Quoi? C'est ma mère qui l'a fait! C'est pour montrer que je suis binational! Eh, franchement, Rachid, tu veux que l'Algérie le gagne? Attends, c'est la merde ce match! En 98, j'ai roulé pour la France, et là, je suis obligé de rouler pour les deux! Eh, ça marche pas comme ça, foot! Regarde, lui au moins, on est des Camerounais, mais pourtant, on a envie que l'Algérie gagne! Oh, on est des Africains avant tout! Eh, dis-lui, Bouba! Ouais, il a raison! Bah, t'es les double airbag. Ça n'a même pas de soutif. Comment tu sais? C'est pas que j'ai un scanner à la place des yeux? Bouge. Ma parole, on aurait dit un soleil. C'est vrai, depuis que t'as vu la bronzée. Nel, vous les femmes qui jetez les enfants dans la rue. Pas possible. Je mets à Liman, je vais déménager dans le 16e arrondissement. Attends, qu'est-ce qu'il a s'excité, lui, là? Je viens juste d'arriver. Connard. Allô? Je suis à Paname, là. Le quartier latin. Tu connais? Bah, bien sûr que je connais, ma gueule. J'étais vigile au Crédit Lyonnais. Vigile. Mais je suis au resto, là. Où j'ai rendez-vous avec Poissy, là. Tu verrais. Y a pas un seul rebeu. Mais c'est cher. Juste assez pour deux plats. Après un hors d'œuvre, moi, je suis cuit. Pourquoi c'est toi qui casque? Premier coup, mon autre, je suis obligé. Espèce de cafard, là. Avec les meufs, tu calcules pas, hein. Avec moi, t'as jamais une thune, hein. Je sais que t'as de beaux yeux, mon loud. Mais qu'est-ce que tu veux? T'es trop pas lui pour moi. Salut, Brahim. Poissy, là. Allô? Excuse-moi, j'étais avec mon associé, mon loup. Je suis un peu en retard, j'ai eu du mal à me garer. Pas moi aussi, je viens juste d'arriver. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Alors, on a fait attendre ce pauvre monsieur. Un petit apéritif pour commencer? Non, merci, on va commander directement. Ouais, directement. Et ici, la spécialité, c'est le steak tartare. Ok, ouais, ça roule, ouais, deux steaks tartare. Comme d'habitude, mademoiselle, bien assaisonné. Oui, s'il vous plaît, avec une salade. Par contre, moi, je le veux bien cuit. Vrai. Le tartare, c'est de la viande hachée crue. Attendez, mais moi, je suis pas un cannibale, hein. Monsieur veut peut-être un Big Mac? Ah ouais, avec beaucoup de frites et plein de ketchup. Ouais. Et la boisson? De l'eau? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Va pour une eau municipale! C'est parce qu'en fait, je suis sous antibiotiques. T'es malade? Non, t'inquiète pas. Petite bronchite. Merci. Alors, comment tu trouves mon resto? Ouais, stylé. En plus, le week-end, ils font des soirées à thème. Tiens, samedi, il y a un groupe latino, je t'invite. Ah non, samedi, il y a le match. Ah, c'est un match de quoi? C'est un match de foot. On joue contre la France, France-Algérie. T'es pas au courant? C'est un événement historique. C'est pas grave, tu peux venir après. On fêtera la victoire ensemble. Tu crois que l'Algérie a une chance contre la France? C'est clair. On a bien gagné l'Allemagne en 82. Le Brésil, il a perdu contre l'Espagne. Même avec ton Socrates. Socrates? D'ailleurs, je sais même pas pourquoi tu me fais un exposé sur ce blaireau-là. Deux mondiales, deux défaites. Sans déconner, il y a des mecs au bled, ils font parler le ballon. Ils vont super vite. Qu'est-ce qu'il y a? T'es algérienne, non? Voilà. Hey, Gabi? Quoi? T'as pas un truc à boire? Non mais t'as qu'à aller chez Mahmoud, il fait crédit, lui.
Gabriel ? Attends. J'ai complètement oublié de vous rappeler la réunion mensuelle des célibataires à l'agence Arusa 2000. Alors, il y aura un fraisier pour 12, à livrer à 14h. D'accord, comme d'habitude, en forme de cœur. Oui. D'accord, ben ce sera après, madame Poussin. À demain, Gabriel. À demain, madame Poussin. Putain, Mouloud! Je suis désolé, moi j'avais pas vu que t'avais mis un sac de farine derrière aussi. Non mais attends, ça peut plus durer, faut lâcher du lest là! Trouve un job, je suis pas les restos du cœur, moi, merde! Non mais attends, tu fais bien, moi j'avais demandé une formation en informatique qu'on met dans la tuyauterie. Franchement, Gabi, tu me vois plombier? Oui! Moi t'apprends un métier. Puis franchement, programmateur, hein, avec ton niveau de certificat d'études, tu pourras être avocat, hein? Il se fait tard, on y va? Ok. S'il vous plaît, je pourrais avoir l'addition? Tout de suite, monsieur. Merci. Je reviens. Allô? Allô, Mouloud? T'as un ballon à la place du cerveau ou quoi? Ah ouais, pourquoi? Comment ça, espèce de hagoun? Socrates, c'est pas un footballeur, c'est un philosophe. Et depuis quand? Mais moi, je m'instruis, moi, le hamar, je me cultive, je suis pas comme toi. Va mourir, ouais. Putain, je sais pas comment je fais pour le supporter, ce mec-là. Et toujours avec le canon, là? Ouais, bah attends, elle va le zapper vite fait, elle est trop intelligente pour lui, hein. Ouais, c'est gâché. Moi, c'est tout à fait mon type de meuf. Ah ouais? Et depuis quand t'es branché à Arbier, toi? Ah si, les grandes brunes avec leurs grands yeux en amande. Allah zargala Allah zargala nitzel. Mais non, Brahim, je peux pas. Demain, j'ai cours à 8h. Et toi aussi, il faut que tu sois en forme pour ton rendez-vous d'affaires avec monsieur Mouloud. Oh non, mais t'inquiète pas, je peux le faire attendre. Bon, de toute façon, on se voit samedi. Ben, ouais. Ouais. Merci pour le dîner, j'ai bien rigolé. Oh, c'est rien. Tu veux que je te dépose? Non, laisse tomber, j'ai... Tiens, j'ai ma caisse, elle est juste là. Bah, dis donc, ça marche pour toi, hein? Oh, c'est rien, c'est... Une petite coccinelle. Bah, samedi, alors. D'accord, à samedi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma place? Excusez-moi, je me suis trompé de voiture. Ça va. Machallah. T'es déjà dans le match ou quoi? Qu'est-ce que tu crois? Il reste plus qu'un jour. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va leur mettre 3-0. T'as trouvé un billet? Et comment? Tribune Sud, mon frère. C'est pas vrai, comme moi, c'est la 70 balles. Ouais, mais nous, on les a eu gratos par la mosquée. Tu rigoles. Sur le Coran que c'est vrai? Qu'est-ce que tu crois? On est organisé. Mais toi et Mouloud, vous venez jamais à la prière. Vous vous la jouez de ses francs. Tiens, je parie que ton blouson, tu l'as payé un max. Nous, grâce à Dieu, on va les avoir à l'œil. Par Zim Zim Soda. Mais je m'en fous, moi, Malek. Tout ce qui va à l'Algérie, moi, c'est, je calcule pas. T'as rien compris à la mondialisation, mon frère. C'est la Chinese Connection qui les fabrique, dans le 9-3. Je m'en fous, Malek. Haya, Malek, haya. Haya. Où je m'y vais d'être à ta fille, là? C'est quoi encore, ce bordel? Bah, c'est pas la peine de te cacher, toi, espèce d'enfoiré, va. Tu débarques à peine ta cabine, toi? Tu vas me mettre Ricard dans mon quartier? Moi, je suis français et je reste ici, je t'emmerde!
tu crois que tu vas gagner, toi? Hein, Gabi? Foiré de Nounès. Là, un jour, tu vas me payer. Foiré, va. Ah, oh, mais quelle balle, Franks. Je veux une fille de bonne famille et de préférence religieuse et pratiquante. Dans ce cas, j'ai ce qu'il vous faut. Nadia Kerbouche, 25 ans, fille unique d'un richissime chamelier. Virginité garantie avec certificat. Oh. On dirait une Twingo. C'est sûr, c'est pas Claudie Schiffer. Vous avez une idée de l'héritage? La plus belle maison de Bni Abbas et un capital de 2000 chameaux. Allah ybarak. C'est vrai, elle a l'air d'une vraie femme d'intérieur. Vous avez l'œil, Madame Bourras. Vous avez une photo complète? Ah, mais ne vous inquiétez pas, Madame Bourras. Je vous assure qu'elle est normale. On est une maison honnête ici. Allez, laisse tomber, maman. Faut pas juger sur une photo, Malek. C'est le foulard qui lui écrase un peu la tête, c'est tout. Ah non. Le voile, c'est la parure de la femme. Mashallah. Il rehausse sa beauté. Il préserve sa vertu. Ah bon? Et là, c'est tout ce que je peux vous proposer dans le catalogue traditionnel. Revenez la semaine prochaine, Inch'Allah. Mon associé sera de retour avec d'autres propositions. Inch'Allah. Au revoir, Alec. Salam. Au revoir, madame. Je crois savoir celle qui te plaît, Gabi. Ah non, mais je regardais seulement. C'est elle, là, hein? Ah non, je préfère celle-là. Moi. Ah tiens, celle-là. Mm. Bah, t'es bien tombée. Il y a juste les frais d'agence. Les parents ne demandent pas de dot, mais ils sont un peu traditionnalistes. Hein? Ah d'accord. Bon, bah, monsieur Smantout, moi je suis pas venu pour me marier, hein. Je suis venu pour le fraisier, donc ça fait 190 francs. Tiens, garde tout. Ah bah, c'est gentil. Tu sais, Gabi, il y a un type qui est rentré un jour ici pour demander une adresse. Et ben aujourd'hui, il a une petite famille et il est papa. Ah bon? Mmh. Bah, c'est bien. Bon, bah moi, monsieur Smantout, je vais y aller. Hein. Oui. Bah bonjour, madame Poussin. Ah bah, j'y manquerai pas. Au revoir. Réfléchis, Gabi. Avec celle qui te plaît, je peux arranger ça. Le père a confiance en moi. Nous avons une excellente réputation là-bas. D'accord, ouais, je verrai. Hein. Hey, c'est Mohamed. Vous parlez à la chaîne comme tout le monde. Quelle chaîne? Eh bien, dis donc, il fallait venir en France pour voir ça. C'est la première fois de ma vie que je vois les Algériens se comporter comme des Allemands. Eh bien, ça fait rien. Je vais être parmi les derniers, mais ça fait plaisir quand même. Attention, s'il vous plaît. Monsieur Zevaini, Abdelkader. Saïd! Avancez là, s'il vous plaît, avancez. Bonjour, monsieur. Le motif de votre séjour? Je viens pour l'hommage France-Algérie. Et vous avez un certificat d'hébergement? Non, monsieur. Alors, vous allez loger où? Chez Tata Aïcha à Clichy. Je n'ai pas l'adresse, mais je connais du chemin. Tu vas à la chapelle, tu prends le métro direction Porte de Clichy et terminus. Bon, allez, mettez-vous là-bas. Pourquoi, monsieur? Mettez-vous là-bas, je vous dis. Je n'ai rien fait, monsieur. Qu'est-ce que c'est long, tout ça, c'est pas vrai. C'est normal. Depuis le 11 septembre, ils ont durci les contrôles. Et il paraît même que Ben Laden se balade avec un faux passeport algérien. Il n'aurait pas pu choisir un autre pays, celui-là? C'est foutu pour nous. On est devenus suspects dans le monde entier. Surtout maintenant. Il suffit d'être mal rasé pour qu'on te prenne pour un terroriste, alors. Hein? Regardez comment j'étais avant le 11 septembre.
Bibi, je vais aux toilettes, tu peux me garder ma valise? Ouais, vas-y, frère, vas-y. Putain, Mouloud, c'est plus un poteau, si je te dis, c'est devenu un cactus. T'étais où? Une fois que je m'absente, c'est le bordel. Non, mais on l'emmerde, je le laisse. Maintenant, tu verras, j'ai tout le matos pour virer son barbelé. Matos? Quel matos? Ah ben, j'ai commencé un stage de plombier ce matin. Quoi? Plombier? Mais tu déconnes ou quoi, Mouloud? Non, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'arrêter la galère et d'apprendre un métier. Mais tu parles d'un métier? Les mains toute la journée dans la merde? Tu fais n'importe quoi, Mouloud? Je préfère avoir les mains que la tête dans la merde comme toi. Ah, et puis tu me saoules, hein. C'est bon. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Tu sens bon le bled. Non mais tu es fou ou quoi? C'est du Alzaros, 8000 dinars le flacon. Ça marche bien pour toi là-bas. Ah, ça va, alhamdoulilah. Franchement, je me plains pas. Mais c'est tout ce que t'as comme bagage? Bah oui, j'ai ramené une chemise seulement. Le reste, c'est l'arsenal pour ta mère. Parce que, tu sais, je pars dimanche, moi. Comment ça? Tu restes que deux jours, c'est tout? Bah oui, attends, je suis débordé de boulot. Je suis venu pour le match seulement. D'abord, c'est un grand honneur. Rencontrer la plus belle équipe du monde, moi, je pouvais pas rater ça. Mais c'est parce qu'ils sont Zizou. Demain, il y en aura 11 des Zizou en face. Non, mais tu délires ou quoi? On vient de prendre 2-0 avec le Zimbabwe 10. Mais là, c'est contre la France. Attends, tu rigoles, c'est le nez. Tu vas voir demain qu'est-ce qu'on va faire. Ah, bah, ils vont se réveiller. Wallah, tu vas voir. Ah non, non, Brahim, moi je prends un taxi, hein, je m'en pars. Attends, mais qu'est-ce qu'il prend? Mais t'es malade ou quoi? En ce moment, on nous prend tous pour des terroristes. Toi, tu veux faire traverser Paris avec une croissant et une étoile? Non. Attends, cousin, tu pousses un peu, là, on t'en a pas des tronches de talibans, non? Attends, attends, je t'explique, Brahim. Moi, je suis venu voir un match, tranquille, et je repars chez moi, ok? J'ai pas envie de m'afficher comme ça, non? Eh, vas-y, viens, allez, ça va, je vous enlève. Allez, viens! Allez, viens. Allez. Je me rêvais sous ce soleil noir, de vie torture, de vie dortoir, à voir naître la douce nostalgie que je ne peux connaître. Souvenir implanté qui guide mon mal-être, une pas être avec mes potes autour d'un proto, à parler du bled entre potos, la bondo. Si la misère est là-bas et le kiff ici, au pays de la boulangerie, il y a aussi du parasite. Par ici, l'identité qui se gère à la carte, que je te passe au cou comme une vulgaire pancarte et de mes racines. Éloignez vos lames par ma foi, par mon sang, par mon cœur, par mon âme. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. C'est un problème d'allumage. Putain, même au bled, y a plus de voitures comme ça, c'est pas. Merde! Arrête, arrête. C'est pas ça qui va te remplir le réservoir, hein. Putain, mais j'ai mis 10 sacs d'essence la semaine dernière. Puis j'ai même pas une thune sur moi. Bon, t'es un jerrycan ou pas? Mais non. Attends, mais je crois qu'il y a une pompe à essence ici, là. Bon, écoute, tu lâches le frein à main et tu mets au point mort, hein, d'accord? Là, je commence par la barre. Tu viens m'aider, là? Hé, Saïd! Tu vois ce qui est con avec l'équipe d'Algérie? Pourquoi ils nous font pas jouer Madjer? Je sais pas moi, une mi-temps. Un truc comme ça, il est quand même pas vieux, non? C'est quand même grâce à lui qu'on a gagné l'Allemagne en 82. Non, tu crois pas? Allô? Ah, voici là. Ça va? Ouais. J'ai pas arrêté de taper toute la matinée. Ouais, t'étais tout le temps sur messagerie. J'ai pas arrêté de penser à toi.
Sur la vie de ma mère, je vais pas fermer l'œil de la nuit. Là, je suis à l'aéroport, là. J'attends mon cousin qui arrive du bled pour le match. Ouais. Et toi, t'es où? T'es dans ton bain, là? Toute nuit. Arrête, tu vas m'exciter. Ouais. Yo, on change de place, là. Parce... Excuse-moi, il y a un rebeu, là, qui me saoule. Je te rappelle. Allez, pousse, pousse, pousse. Allez, pousse! Attention au brouillard sur le nord-est demain matin, ainsi que sur l'Aquitaine dans la matinée. Le brouillard va se dissiper. C'est lui le bœuf? Mais qu'est-ce que tu racontes? Lui, c'est Turam. Lucas, Fatima, m'a battu le poste. 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 Lucas, Fatima, excuse-moi, cousin, je te rembourserai dès que j'aurai de la thune. Ouais, c'est ça. J'ai lancé un produit contre les cafards qui cassent la baraque en Algérie. Je l'ai appelé Grillo Out. Et l'imprimerie, c'est fini? Non, ça marche toujours. D'ailleurs, c'est Kadour qui s'en occupe. Kadour, le petit? Le petit, il a 22 ans maintenant. Allahi barak. قلت لكم بلي الدراهم في الجزائر ici il reste que la misère. يا عطينا التيران تاعك هكذا مونتي متي تيزين نعطيهولك باش تروح تخسرو في الكراطاج والله ما تشوفو une usine au bled mais pourquoi faire papa n'importe quoi tous bons là-bas. Ouais, c'est pas sûr, il y a de la concurrence maintenant, il faut les études de marché, la publicité, ça a changé, c'est plus comme avant. Pour faire marcher une affaire, il faut s'en occuper jour et nuit, sinon c'est pas la peine. En plus, vous vivez en France. Eh bien, on a qu'à envoyer Ibrahim. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre en Algérie, moi? Je parle même pas. Eh ben, tu apprendras. Je te comprends pas, Ibrahim. T'as toujours le bled dans la bouche. Et quand faut y aller, tu te dégonfles. Toi, tu fermes ton clapet, t'as compris? Viens, Saïd, on nous attend. Toi, Mémé, t'as bien raison. Donne rien. Ouais, c'est ça, ouais. Tu viens? Bon, allez, à tout à l'heure. Attends, tu rigoles? C'est qu'est-ce que c'est la plus belle avenue du monde? C'est les Champs-Élysées! Ah, voilà! Et toi, tu fais quoi? Vas-y, allons, allons! Ça, c'est une rue, c'est une super belle rue. Mais attention! Ça va pas? Laisse tomber, c'est pas des arbiètes. Comment ça, c'est pas des arbiètes? Moi, je te parie tout ce que tu veux que c'est des nanas de Tlemcen. Arrête de délirer, Mohamed Gabi. Tu vois des Arabes partout, toi. C'est des villes qui te montent à la tête ou quoi? Oh là là, c'est vrai. Je suis content que tu sois là. Hein? Hey, les mecs, hey, je vous invite tous en boîte. Pourquoi? T'as de la thune? T'inquiète pas, le barman, je le connais, c'est mon pote, allez. Allez, hop, hop. Yeah, t'es sûr de ton coup, hein? T'inquiète pas. Oh. Ah, classe, cousin, je suis content. Attention. Tu vas voir, il va attaquer son cousin. Chop, je te suis. Regarde, c'est... Regarde, s'ils ont le bled dans la peau, demain, ça va être le délire. Toi, tu peux pas venir, hein? On va gagner! Ah, salut, Rassan, Rassan. Salut, Brahim. Comment tu vas alors? Quoi de neuf? Oh, quelle ambiance. En plus, tu sais que ce soir, c'est mon anniversaire, hein? Encore? Attends, t'es pas né en pièce détachée. Ça fait 4 fois que tu me fais le coup cette année. Attends, 4 whisky. Tu vas pas me mettre la honte devant mon cousin qui arrive du bled, hein? Mais je peux pas, Brahim. Ce soir, il y a le boss qui est là. T'en payé à ton taf, toi? Oh là là là, attends, j'ai juste recommencé, c'est bon, là, oh. Demande à Gabi. Oh là là, mais putain, mais tu saoules, toi. Consomme pas, c'est tout. C'est combien? 60 pour les chats, 140 francs le maillot. Oh bah, je prends les deux. Ça fait 200 francs le tout. Ah, mais c'est un peu cher, quand même, hein. Non, 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 attends, c'est pour moi. Ah, c'est gentil. Voilà. Quoi? Ah, franchement, Gabi, le verre blanc, comment il te va? Super bien. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, il est bien ce petit. Ouais, je vais l'emmener au bled. Quand tu veux, hein. Bon, moi j'ai soif là. Whisky coca. Avec des glaçons? Ouais. Et toi? Un gin tonic, s'il vous plaît. Et vous deux là? Non, soif. Putain, on va faire faillite avec vous, les gars, hein? Tu joues pas beaucoup. Ah bon? Oh là là, alors, Mouloud, t'es mal, les trois meufs là-bas. Je te préviens, la grande, elle est pour moi. Et les deux autres, c'est pour Saïd et Gabi.
tu veux qu'il se pardonne? Tu me mords la main, quoi. Eh les gars, il y a trois nanas toutes seules, alors vous faites comme vous voulez. Moi, je vais. Hein. Bon, moi, je vous laisse. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Eh, vas-y, cousin, regarde, attends. Allez, à tout à l'heure. Alors. Ciao. Vous avez bien dansé, mademoiselle. Oh, tête d'oignon. Finalement, ouais, je veux bien vers toi. Oh, je comprends pas, Brahim, t'es tout le temps fauché. Tu construis une villa au bled ou quoi? Quel bled? Jamais mis les pieds, mon bled. Eh ben, t'as qu'à y aller, mon frère. How are you, l'espace-là? Oh, Aziz. Où t'étais passé? Je te croyais mort, mon frère. Business is business, my friend. Je reviens des États-Unis. Et dis-moi, qu'est-ce que tu foutais là-bas? J'aurais fourgué 100 tonnes de couscous. Ah vraiment, eux aussi, maintenant ils se mettent au couscous. Donc les my friend, avec couscous fast-food. Sur la vie de ma mère, je vais faire flipper maintenant. Tu vois, oublie le bled, hein, je suis venu spécialement pour voir le match. Alors là, ça s'arrose, qu'est-ce que tu bois? Whisky Hancock. D'accord. Noblesse. Tu vois, tu vois ce mec-là, avant c'était un branleur, comme toi. Il a appris trois mots d'anglais, tu te rends compte? Maintenant il fait fureur chez les Yankees. Mario! Il fait fureur au style. T'as 25 piges. Depuis que je te connais, t'as fait qu'un seul business, les cravates, et encore avec 10 000 balles de bénéfices en dessous de zéro. Bon, Prime, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou quoi? Attends, je pars l'affaire. Ouais. Moi, j'étais en affaire, ça m'a gonflé. Bon, je me casse. Ciao. Eh, hey, où tu vas, toi? T'as un whisky, là? Ah bon? D'où? Quoi, d'où? Tu vois pas que je suis à la flotte, là? Ah, d'accord. T'inquiète. Allez, laisse tomber, Gabi, excuse-moi. Laisse tomber, mon cousin va raquer, il est blindé. Ah ouais, t'en meurs pas, toi. Allez, rendez-vous au poteau pour le match. Et en forme pour demain, d'accord? Ouais, merci pour l'invite, hein. Allez, demain. Salut, Gabi. Redonne-moi Burdo, s'il te plaît, tête d'oignon. Désolé, Brahim, hein, il faut que tu bouges. Tu consommes pas, c'est moi qui vais avoir des problèmes avec le boss. Ici, c'est pas la discothèque des grenouilles. Grenouille? Mais regarde ça, ta tronche! Allô? Allô, voici là. Tu dors? Il est 4h du mat, là. Ouais, je sais, ouais. Excuse-moi, je t'appelle parce que je me sens pas très bien. Tiens, bon, écoute, ça va te consoler, mon frère. Ferme ta gueule, toi! Ça va pas, t'as des soucis? Non, mais non, je parle pas à toi. Non, mais pour toi. Non, c'est un gros, là, qui me cherche. T'es où, là? Je suis à la rue. Enfin, tous mes potes m'ont lâché. Même mon cousin. Ils sont partis avec des meufs. Et alors? Voici là, sur la vie de ma mère, que je te toucherai pas. Bon, allez, d'accord, mais je te préviens, hein, je te mets un matelas par terre. D'accord. Merci, voici là. Et finalement, ouais, je veux bien trinquer. Allez. Désolé, j'ai tout sifflé, là. Ciao. Brahim? Oui. Je descends 5 minutes faire une course et je reviens. Ok, vas-y, je t'attends.
Oui, je suis sûr que tu sais même pas qu'est-ce que c'est un jacuzzi. Ah, c'est pour ça que tu me réveilles. Oh là là, ça sent que t'as dormi tout seul toi hier soir. Je t'ai vu hier, hein. T'as fait cacahuète avec la mère. Putain. Tu serais bien avec moi, je vais vous présenter une copine à Wassila. Moi, je t'ai pas raconté. Tu sais quoi? J'ai passé une nuit avec elle. Sur la tête de ma mère, je suis devenu incollable sur ce crâne. Tu m'écoutes, mon autre? Wallah. Coucou, Wassila. C'est papa et maman. Wassila, t'es là, hein? Allô? Coucou chérie, tu es là? Attends, coupe pas, tu coupes pas mal, attends. Oui ma chérie, je suis là. Tu peux me frotter le dos s'il te plaît? Frotter le dos? Y'a un peu de qui est ça? Hala ou les baharam? Hala ou t'es de kmoucho à domicile? Hala, y'a ben le kalb? Hala, n'en t'artak le gadamak? Hala! L'aide de l'ahdek, y'a tu veux dire l'aide de 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 l'aide. Mais faut appeler les pompiers! Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il va se casser la gueule! Donne-toi! Il est complètement taré! Accroche-toi, Guillaume! Hé! Guillaume, j'ai le gars, il y a Brahim, c'est quoi ce délire? Putain, il y a tes parents là-haut, ils veulent me faire la peau! Merde, j'avais pas fermé la clé. Bon, allez, viens avec moi. Non, moi, je reste là, moi. Mais viens, je vais régler ça, je te dis. Aïe. Bon, voilà, tonton. Tiens, bon. C'est pas la peine, il est là. Depuis quand vous venez chez moi sans prévenir? On voulait te faire la surprise. Et ça, c'est pas ton problème, maman. Je suis majeure, je fais ce que je veux. انت اللي حليت لها العين انت اللي ولفت لها والله العظيم والله العظيم ما نزيد نحط رجلي في هاد الدار جيب الدلاعه وروح علي تمديكاش بابا on en a déjà parlé quand je suis partie de la maison mais je comprends je suis d'accord avec la liberté mais pas avec ce boubouche l'arian dans la maison quand même hchouma binti hchouma ما بقات هضره جيب الدلاعه وروح. Excuse-moi, Wassila, je suis désolé, tout ça c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu vas devenir maintenant sans tes parents? Ça va, t'inquiète pas. Hein. Je les connais, ils vont revenir la semaine prochaine. Ça fait 5 ans que c'est comme ça, ils vont bien finir par comprendre. Hey, tu veux pas enlever ce peignoir? On dirait que tu sors de la cage aux folles. Assalamu alaikum, c'est monsieur Zbentout de l'agence Arousa 2000. Ah, monsieur Zbentout, comment ça va? Ça va, comment va le bled? Alhamdoulilah, c'est un peu couvre-feu ici. Tout le monde est à la maison pour voir le match. C'est le paradis du cochon rose. Ya'oudou billahi min shaitan raji. Mettez-le, mettez-le. Hadj Omar, j'ai avec moi un jeune homme qui est intéressé par votre fille Selma. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il s'appelle Djibril Le Garec. Gabriel. Le Garec, c'est pas de chez nous, ça. Non, c'est breton. C'est comme les Kabyles chez nous. C'est un musulman? Vous inquiétez pas, il va bientôt l'être. C'est pour la circoncision. Mais non, mais je veux pas, moi. Yadra, l'andou, je suis à devise ou la walou? Non, mais... Il travaille. C'est un professionnel de la pâtisserie. Ah, il est chef pâtissier. Mais lise pourvu que non. Eh ben, à la bonne heure. Qu'est-ce qu'il demande le peuple? À boire et à manger. Bon, je serai au bled dans quelques jours et on verra ça dans les détails. Au revoir, Hadj Omar. Allez, au revoir. Alors, tu es content? Bah oui, mais c'est quoi cette histoire de circoncision, là? Obligé, Gabi. C'est un détail. On t'enlève juste un tout petit bout. Mais t'as vu ce que t'as en échange? Mais attendez, on m'enlève rien du tout, moi. Je garde ce qui m'appartient. Puis je m'appelle Gabriel Le Garec. Pas Djibril.
Pas encore enlevé cette merde là. J'ai pas les outils le week-end. C'est bon. Il est où Gabula? On a le temps, le match est dans 3 heures. Je m'en fous, moi je ne veux pas rater l'ambiance. Bah tiens, bah le voilà. Gabi, vas-y, viens, ramène tes côtes. Vas-y, dépêche-toi, viens. Oh. Dépêche-toi, toi. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, Mouloud, dépêche-toi. Vive l'Algérie. Ouais, vive l'Algérie. Hey, Brahim, il est où ton cousin? Laisse tomber, c'est un Harbi, lui. Dès qu'il voit une meuf, il zappe. Et au fait, Mouloud, ça fait mal la circoncision? Bah je sais pas, moi j'étais petit. Non mais pourquoi tu me dis ça toi en fait? Non, comme ça j'ai vu ça à la télé, c'est tout. Oh mais toi tu me prépares quelque chose toi. Mais non, je prépare rien du tout. Si. Désolé, monsieur, mais c'est un faux billet. Je peux pas vous laisser rentrer. Pourquoi, monsieur? Mais où est-ce que vous l'avez eu? J'ai acheté en Algérie. Eh bien, vous êtes fait avoir, mon pauvre vieux. Jean-Michel, le stade de France a rarement été aussi plein. Hein. Surtout avec plus de... C'est pas Brahim là? Non, cherchez pas. Au prix où il a acheté sa place, il doit être sous les toits. Ya Sidi Abdelkader, chilhom el kaybhom bach tebah bladna. Ya Sidi Abdelkader. Dépêche-toi, mémé, ça commence. Zidane, gaucher ou la droite? Excellent, des deux pieds et de la tête. L'hymne de l'Algérie en l'honneur de l'autre. Oh, Mouloud, pourquoi t'as pas chanté? Attends, moi, quand je parle pas l'arabe, je ferme ma gueule, moi. Roger! Mais quoi, là? Laisse-toi, respecte un peu. T'es français, non? Fais pas chier, Mouloud. Moi, ce soir, je suis 200% algérien. Oh, cool. Monsieur.
mon frère. Mais c'est Mesarnou, c'est tout, regarde. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais je sais pas, moi. Attends, je croyais que t'étais 200% algérien, non? Abdel Wennas. Abdel Wennas. Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive. Bah, finalement, hors des limites du terrain. Dégagement en sortie de but de Fabio. Et moi, j'ai parté encore. Je n'arrive pas à comprendre Abdel Wennas. J'ai un téléviseur en colère avec 36 chaînes. Et toi, en plein centre de Paris, tu as une seule chaîne et tu habites dans un frigide. Il faut investir. Investir? Investir avec toute la cabine qui débarque chez moi. Un tartra. Monsieur Antonio Manuel Perdigon. Pas trop intérêt à dominer Thierry parce qu'il risque de se heurter à une... J'aurais dû envoyer Boubacar distribuer des prospectus. Bon, les gens se mêlent sur Internet, toi, tu parles encore de prospectus. Et d'où tu connais l'Internet, toi? Chidouja, la voisine, celle qui a perdu son mari. Elle a trouvé un beau riche saoudien sur Zewet.com. Ah bon? Il y a une passe de trop. Qui a essayé de pénétrer dans les 16m50, mais il sortait. Raoult, il a renversé le jeu pour Vigneri. Belmadi. Au moins. Je reste pas avec les traîtres. Et bah casse-toi. Ouais, c'est ça. C'est bon, va-t'en, allez, va-t'en. Vas-y, laisse-le, il va se calmer. C'est du bidon, tes gris-gris, mémé. J'ai pas fait sur Condé, là. Tu m'as dit que c'est un remplaçant. Et ben alors, les remplaçants aussi peuvent jouer. Stop, pousse-toi. Ça y est, je te dis, ils sont dans le match, ils ont pas l'habitude du climat. On va gagner. C'est bien, tu peux toujours rêver quand même, hein. Bon, alors, celle-là, elle est excellente. Hein. Alors, un couple de paysans achète un appartement dans le centre d'Alger. Dès qu'ils entrent, nos maris commencent à arracher le papier peint. Alors, la femme lui dit, « Ya Rajel, qu'est-ce que tu fais ?»« Ouais, faut bien enlever l'emballage, c'est bon. » »« Non, 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 c'est bon, je t'ai déjà compris. » Le temps peut-être pour moi de vous donner la question minutelle du jour. L'entraîneur algérien Rabah Madjer a donné son nom à un but d'anthologie. Quel geste technique symbolise à tout jamais une Madjer? Vous avez jusqu'à la fin du match pour répondre à cette question et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs. 36 francs. Oh, c'est pas un goal, c'est une couscoussière. Ça va bien, ça va. 20 minutes, 2 buts, 90 minutes, 9 à 0. 9 à 0? Je te jure qu'ils ont intérêt à demander la sécurité. De la gente que critica tus amores, si te dicen que tu
mais c'est Brahim, regarde. Qu'est-ce qu'il aime faire ce cinéma, ce mec? Mais tu verras, hein, il est pas méchant. J'ai hâte de le voir. Pleine vitesse, Vincent Candela, remise en retrait, en but. Ah ouais, c'est pas un match. Il n'y a que les Français qui jouent. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, papa? T'as vu Thierry Henry, on dirait un TGV. Il n'y a qu'un croche-pied qui peut l'arrêter, lui. Ouais, mais dans les 18 mètres, il y aurait eu pénalty. Ça change rien. En plus, on aurait eu un carton rouge. Et je préfère un carton rouge ou les choumettes. Ah, oh. Les notes sont trop faibles. Mais c'est normal. Le kilo de viande est à 500 dinars. Même avec 4 jambes chacun, ils n'arriveront jamais à marquer un but. Pénalty! Mais non, mémé, c'est un coup franc. D'ailleurs, bien placé pour Belmadi. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون David, attends, franchement, dis-moi la vérité. Le but algérien, bon, pas les 3 buts français. Ouais, mais là, c'est la France qui gagne. Non, mais attends, les mecs, là, ils sont dans les vestiaires. Ils ont les briefs à mort. Tu verras la deuxième mi-temps. Hein? Tu verras. On verra. On verra. Yo, les Dickens sont enterrés ici ou là-bas, ou c'est kiff-kiff. Allah est partout. À moi, elle m'a toujours dit qu'elle voulait être enterrée à côté de son terrain. Et à quoi ça sert, puisqu'on va nous vendre, hein? Écoute, on leur dira qu'elle n'a pas de famille. Et comme ça, c'est la mairie de Paris qui paye. À bout. Allez, messieurs, dames. Eux, ils ont les buts, mais nous, on a Coran et Allah. Une tâche non plus.
الزهر ماشي الحشومات. A votre avis, pourquoi ces jeunes ont envahi le terrain? Un but, ça va. Deux buts, ça va. Trois buts, ça va. Mais quatre buts, c'est trop. Non, non, je suis pas d'accord. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les buts. Ces jeunes sont manipulés par des gens qui ne veulent pas le rapprochement entre l'Algérie et la France. Tout ça, c'est politique. Merci. Non, non, c'est pas de la politique. Je connais ces jeunes mieux que toi. Ainsi des paumés. Ils ont un pied en France et l'autre en Algérie. Ah, et la tête dans la merde comme on dit chez nous. Voilà. Allez, embarquez. Allez, calmez. On va chanter au-dessus. C'est bon, lâchez-moi. C'est bon, s'il vous plaît, reculez un peu. Désolé. Ce n'est pas au commissaire de décider, mais au juge d'instruction. S'il vous plaît, rien que le temps d'enterrer sa grand-mère et on boulera. Je vous dis que c'est pas possible. Allez demander au tribunal, ils sont au courant. Aïe, amchi, aïe. Diawullah, dès qu'il sort de prison, je l'envoie au bled. Et il reste là, bâtain. La prison et l'expulsion. Mais attends, maman, c'est à double peine, ça. Et en plus, ça va faire plaisir à Le Pen. Et je m'en fous de celui-là. Il n'a qu'à s'occuper de sa femme. Donc, me lègue à la tâche d'avoir très les politiques. Ils avaient envahi le terrain du Stade de France samedi dernier à l'occasion du match amical de football entre la France et l'Algérie. Le procès de 5 hooligans a eu lieu ce matin au tribunal de Bobigny. Les trois principaux meneurs, dont une femme, ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 100 000 francs. Quant aux deux autres, ils ont écopé de 2 mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 francs. Après ces condamnations, tout de suite, les réactions dans les rues d'Alger. 6 mois avec sursis! Ça, c'est pas notre problème, ils sont français. C'est rien avec la honte qu'ils nous ont fait. Il faut considérer ces jeunes comme des citoyens français. Chirac, il a qu'à se débrouiller avec eux. Hey, les mecs, c'est Brahim! Là, Brahim, on t'a vu à la télé! T'as raison, Brahim, 4 vite, c'est trop. T'as un 10 blagues d'amende, faut faire appel, Brahim. T'inquiète pas. Hey, Brahim, c'est vraiment pas intelligent ce que t'as fait, y'a pas de quoi être fier. Mais non! Brahim! 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 C'est l'acte de propriété de la terre à grand-mère. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Direction le bled pour vendre le terrain de grand-mère à cause de tes bêtises. Tu sais au moins qu'elle est morte. Je sais. Il m'a laissé tomber, je vais faire appel. Va t'habiller, on va rater l'avion. Moi, je viens pas avec vous. Non seulement tu viens, mais tu vas rester avec ton cousin Saïd. Papa, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Le représentant en produits de cafard. Représentant dans les produits de cafard. Mais attendez, vous délirez ou quoi? Vous m'avez jamais appris l'arabe. Eh ben, Brahim, on rebut cafard, ça se dit grêlo. Ferme sa gueule, toi. Au moins, il t'a appris un mot. Allô? Allô, madame Saïdouche? C'est le Hajj Bouzan à Paray. Il veut que l'artine, il y a un star big. Comment? Il veut mais c'est pas une voiture qui t'a vendu. Une cocotte minute. Ah, ou t'as habité Mercedes pour 5000 francs. Yeah, ou dis, je suis en panne, l'autoroute à côté de l'IA. Asmehli, akhouya, moi, je t'ai pas vendu une voiture pour aller jusqu'à Lido, hein. Yeah, ou dis. Excusez-moi, j'ai pas le temps. Arabi, aounak. Vous avez vendu ma voiture? Eh ben oui, pour acheter les billets. Faux usage de faux. Vous avez pas le droit. Moi, je vais annuler la vente. Dis-la. Moi, n'a rien que me livrer, femme. Aïe, vite. Le taxi qui attend, le compteur tourne. Laisse tomber, maman. Je te jure que je vais trouver un travail. Même un éboueur, je le fais. Il faut un diplôme aujourd'hui. Et toi, t'as rien. Et puis d'abord, pourquoi t'as peur de l'Algérie? Pourtant, tu l'aimes bien. Bah ouais, je l'aime bien, mais vu d'ici. Mais moi, mon pays, c'est la France. Tu comprends? Parce que vous, vous croyez que là-bas, c'est le paradis parce qu'il y a le pétrole. Et bah, t'as qu'à demander à Mouloud pourquoi qu'il est revenu Dardar. Tu sais comment qu'il appelait? L'immigré. Yahi Mouloud, il n'a pas un cousin riche comme toi qui veut l'aider à la gueule. Écoute-moi bien. Ici, même français, tu ne deviendras jamais quelqu'un quand tu t'appelles Brahim Zaitosh. Aïe, un autre. Amchi. D'accord. Mais attention, hein. S'il m'arrive une seule galère, hein, je demande le rapatriement à l'ambassade de France. T'as compris? Aïe, c'est là. Tu as de l'âme sur le haut, hein?
Mais c'est l'histoire de Brahim et son poteau. Trompe l'histoire de son père et son loto. Faut s'y faire, remercie Dieu tous les matins et s'en remettre, dire Inch'Allah, même une assez fin d'haricot. Toute une histoire pour une caisse et son drapeau. L'Algérien, t'as pas compris que ta mère va flipper. Faut que tu fasses vite, trouve du taf speed. Mais la cinquième fait le pour ta grand-mère et son fils. Un épicier arabe, très fini. Pour l'âge français, très généreux. Un jour après l'auto, très connu. C'est ça, il m'a dit là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Y'a Inch'Allah, y'a Bon, hey, moi je vais acheter une carte et je vous rejoins. Bonjour. Je peux avoir une carte téléphonique, s'il vous plaît. Merci. Ah, très bien. Salut. Le pauvre. Comme le prof, il les a allumés avec le foulard. Je serai d'accord avec lui quand tout le monde respectera la laïcité. T'as raison. Excuse-moi. Allô ? Allô ? Voici là ? Voilà, toi ? Ouais, je sais. Je suis désolé pour la fête de samedi soir. Je devais ramener mon cousin qui habite dans la banlieue. Je pouvais même pas te laisser un message, j'avais même plus de batterie. Ah bah oui, je comprends. Allô, voici là. Allô ? Ibrahim, c'est marrant parce qu'en face de moi, il y a un mec qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Quoi? Eh, fais attention, voici là, elle te fait pas draguer. Moi je vais arriver, moi je vais lui casser la tête, vas-y, dis-lui. Eh ben là, t'aurais du mal parce que c'est ta photo sur un journal. Alors me raconte pas de conneries. Ils t'ont relâché? Ouais, je suis à l'aéroport là avec mes vieux. Je pars en Algérie. Ah ben voilà une bonne chose, toi qui parles toujours du bled, comme ça tu verras la réalité en face. Bon voyage et bonne chance. Allô? Voici là. Allô, voici là. Allez-y, passez. Madame, hé madame, les passeports algériens, c'est par là. Là-bas, c'est les passeports français. Dans la queue, madame. Ils ont raison, là, madame. C'est là que ça se passe. Mais messieurs, on est français. Ah bon? Bah allez-y, passez. Ah, ça me fait une affaire. Départ à destination d'Alger. Vol Aigle Azur numéro 2574. Embarquement immédiat, terminal 2, porte 57. Vous vérifiez même pas les passeports? Dans ce sens, ça va. Pour le retour, ça sera pas pareil. Departure to Alger, flight number 2517. Aigle Azur, now boarding at terminal 2. C'est pas le départ, mais la rampe, on met des poils. C'est charré à la vie, à fil à l'aéroport. C'est pas moi qui suis parti, c'est mon bled. Pour un pays chaud, je te dis le halabred. Dans nos têtes, c'était du reste de tes têtes. Alors on s'endette, fixe la date, dernier de ta tête. C'était bien le dernier vu ta tête. Yeux bien serrés aux clés à molette. Y'a Maya Khout, ce n'est qu'un test. Je vais juste tâter le terrain en attendant. Y'a les cousins qui disent bien. Ça va dans la vie, ils se maintiennent, ils peinent bien. Tu reconnais bien l'Algérien, l'Algérien. Donc quoi et pourquoi faire? On dit qu'ailleurs est plus vert, clair, le trou plus noir. Après l'avoir trouvé, faudra... Lisez s'il vous plaît. Pour les passeports européens, c'est le guichet Nafou. عندكم لي بي دو روتور Vous n'avez pas de passeport algérien? Quoi? Mais attendez, nous on est français, monsieur. Mais vous n'avez pas de visa. Visa? Quel visa? Qui va هذا بني ندخلوا البلاد لا توماندو علينا الفيزا. هاو داو ظهر عليك فاتيغي انت. Écoutez madame, je sais ce que je dis. Vous me présentez des passeports français et pour les français, il y a pas de visa.
Makesh l'Algérie. C'est pareil pour nous en France. Abou, Slimane, Ibrahim ou Khaira Zaitouj, pour toi, ça c'est français. Allez, c'est la meilleure. Asma, c'est pas la peine de s'énerver. Hein. Aya, on va voir le commissaire. Aya, il est cool, le Jack. Il est français, ça. Le Jack, c'est français. باش ندخل البلاد يا بالمير تاع نور كان سكوند بلوس كي هير برافو شاف مازالت البركه بون مش كاين سي اون فامي دو فرونسي كي نون با دو فيزا À quelle heure le prochain départ pour Paris? Dans une demi-heure, commissaire. Mais il y a un problème. Ils ont deux billets de bateau pour le retour. Les parents seulement. Pas question. À votre tête, je suis l'officier Kader. Vous leur accompagnez au port. D'accord, commissaire. Je suis désolé, vous êtes obligé de repartir en France. Qui fait? Rani, fille, blédi ou n'oubroudé? Non! Madame, la loi de la visa, c'est international. Où est-ce que vous êtes? L'Algérie, c'est une passoire. Eh bien, moi, je vais voir le commissaire. Non, madame. Le commissaire, mais c'est pas. Vas-y, viens au repas. Viens au repas. Eh, hey, toi, ça t'arrange bien, hein? Il est un petit peu de l'autre. Il est un policier international. Il est un petit Les passagers du vol de 1564 de la compagnie Aigle Azur à destination de Paris sont priés de se présenter dans la salle d'embarquement numéro 6. Attends, monsieur Zbantout. Vous m'attendez ici, s'il vous plaît, je reviens. Monsieur Zbantout. Eh, merci, Zaitouche. Bonjour, madame. Eh, Lavik. Bonjour, Brahim. Bonjour. T'as vu? T'es devenu célèbre, hein? Tout le pays parle de toi. La carré le khir. Hada kol bihawzouna. Wallah ghir ibadi. Je suis au courant, j'ai vu le commissaire. C'est malheureux, monsieur Zaitouche. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire les visas? Allah ghalb, on voulait faire les économies. Ah, je vous comprends, mais vous êtes dans l'illégalité. Même l'ambassade de France ne peut rien faire pour vous. Je vais vous faire une confidence. Vous n'avez pas eu de chance. Vous êtes tombé sur un commissaire de police qui est fan de football. Ancien joueur de l'équipe d'Algérie. Ah ça, il n'a pas supporté que ces jeunes, là, arrêtent le match. Ben, il a raison. Et 4 buts, c'est trop. Où dis-tu t'as dit là? Et Khizriya, quel dit qui veut le calmez-vous, c'est Slimane. Pour votre fils Brahim, il y a une solution. Une fille du bled qui le remettra dans le droit chemin. Un gosse, deux gosses, et il sera obligé de se ranger. Vous voyez la fille et son père qui voyagent avec moi, là? C'est pour Gabi, le petit commis de Madame Poussin. Gabi Boulanger. Mais c'est un français. J'ai réussi à le faire accepter par le père, tout religieux qu'il est. Vous voyez? Bah. Ça, c'est pas un problème, ça. J'ai ce qu'il faut pour lui. Oh! Ça, c'est sûr, c'est pas Claudia Schiffer. Tu vas à Paris? J'aime de faire. Non, mais rien. Non, c'est bon, il n'y a rien. Et vous connaissez l'héritage? La plus belle maison de Bouni Abbès. Un capital de 2000 chameaux. Allah ibar. En plus, elle s'appelle Khaira. Comme vous, madame Zaitouche.
papa, je m'occupe de tout. Slam. Que le pétrole ici. La rave, c'est tout ce qui reste pour les jeunes ici. قلت ما تروحيش الغربة واضعة الفراق سي با فاسيل هو اللي جربها اوه الفتك وعشقتك انا يا امرأة كي غادي دير انا قلبي صبيرة Vous avez une idée, l'héritage ? La plus belle maison de Bni Abbas et un capital de 2000 chameaux. مدام السيد قال لك نعطيك 100 مليون فيهم بالجمله كيفاه كيفاه انا بني بعتو الغوله على جال بعير هذا شوف سي محمد باش ما نطولوش تعطيني 200 مليون والله يربي راك تبيع في لي كاتكات ولا مدام او هادو خير من الكاتكات يا زيد لا مازور يا بني إلا من عند سيدي ربي تقول لهم اش وهما دي مرام فهمت انا هذا السيد جاكي
Thank you.